Bonjour, ça va et toi? Très bien. L'église va bien? Are you well, everyone? Bien. Very well? Ou comme Jean-Pierre, ça va. Just like Pastor Jean-Pierre, it's okay. Il a de bonnes raisons de dire ça va comme ça, Jean-Pierre. He has a good reason to say that it's okay. Gloire à Dieu. Glory to God. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir pour ta grâce. Lord, we want to bless you and thank you for your grace. Pour ta maison. We want to bless you for your house. Car Seigneur, il est bon, comme dit David, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Because just like David said, it's a joy for us to go in the house of the Lord. Et Seigneur, en ces temps troublés, nous sommes encore plus heureux d'être là dans ta maison. Lord, in this time of trouble, we are so happy to be here in your house. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, parle à nos cœurs. And this morning, we want to ask you to speak to our heart. Nous voulons nous effacer pour t'entendre. We want to erase ourselves and just let you hold the space. Toi et toi seul. For you and you alone to move just like you want. Toi qui es assis sur ton trône. Only you, the one who is sitting on the throne. Et qui règne. And who reign. Au-delà de toutes les circonstances. Over all the circumstances. Au milieu de la confusion. In the middle of the confusion. Au milieu de l'abomination. In the middle of abomination. Tu es haut et élevé. You are high and lifted up. Et tu es assis sur ton saint trône. And you are sitting on your holy throne. Et rien n'ébranlera ton règne. And nothing will stop your reign. Alors sois loué encore ce matin. So be glorified this morning. Sois glorifié. Be glorified. Par le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Est-ce qu'on peut prier un peu par l'esprit? Mandele brende kita kalabareta kalabasoto ko shanta tabarende. Inda la bandele breta karabayeta santa tabasoko sheta kabarende. O makamate le brende kalabareta kalabasoko renda basente. Inda la bandele breta kalabasoto shanta barita ta santa. Inda la bandele sente te barayanda. Reta kababababasata. Tu règnes, Père. You reign, Father. Et tu te ris des stupides. And you are laughing about stupid. Tu règnes avec gloire et majesté. You reign in glory and majesty. Et c'est toi seul qui auras le dernier mot dans cette nation. And you alone will have the final word in this situation. Car rien ne peut t'ébranler. Nothing can shake you. Lorsque tu trouves un peuple qui crie. When you find people who lorsque are tu trouves un peuple qui prie. Who are praying. Oh, ta main n'est pas courte pour s'étendre. Your hand is not short to et help. Pour agir. And to act. Et pour manifester ta gloire. And to move and manifest alors, Seigneur, your glory. Nous attendons à toi encore so, ce Lord, matin. We're waiting for you this morning. Nous attendons encore à toi dans ces temps à venir. We're waiting for you for the times dans which ces come. Temps particulièrement troublés. In these specific times of trouble. Dans ces temps où les ténèbres, Seigneur, ne font que s'accroître. In this time when where the darkness is oh, Seigneur, c'est à ce moment que nous voulons faire briller ta lumière. Is the moment where we want your light be shine. Afin d'éclairer ces ténèbres qui s'apesantissent. That your light will shine the darkness around. Oui, que ta lumière brille au milieu des and ténèbres. And may your light shine around. Afin de montrer le chemin. To show the way. À ceux qui sont perdus. To those who are lost. Et que ton nom soit glorifié. And may your name be glorified. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Je vais parler un peu de ce qui s'est passé vendredi, mais très rapidement. I will shortly speak about what happened Friday. Parce que Dieu m'avait donné un message bien avant. Because God gave me a message. Mais en fait, earlier, qui est dans le droit fil de ce qui s'est passé. In the same direction. Vous savez, dans Philippiens 2, 5 à 11, il est écrit ceci. In Philippians 2, chapter 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que tu peux dire Dieu l'a souverainement élevé? Can you say God sovereignly Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. And gave him the name above all names. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. The name above all names. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. The name above every name. Afin qu'au nom de Jésus, in the name of Jesus, every knee will bow. Afin qu'au nom de Jésus, répète-le, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Every knee will bow. Dans les cieux, in the heavens, sur la terre, on the earth, et sous la terre, and under dans the les earth, cieux, in the heavens, sur la terre, on the earth, et sous la terre, and under the earth. Et que toute langue, and all tongues, et que toute langue, and all tongues, et que toute langue, and all tongues, confesse que Jésus-Christ, that Jesus Christ, est Seigneur à la gloire de Dieu, is Lord, Père. At the glory of the Father. Alors que notre cœur ne se trouble pas, may our heart won't be troubled, que notre cœur ne se trouble pas, let our heart don't be troubled, Church. Vous savez, je crois vraiment que, après je vais vraiment rentrer dans le cœur de mon message, qu'il y a vraiment une grande abomination qui a été commise par la France vendredi soir aux yeux du monde entier. Amen. You know, I believe that on Friday a great abomination has been committed to the eyes of all the world in France last Friday. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a France et France. But at the same time, you must know that there is France voilà, and France. Il y a un groupe de personnes entre les mains de qui on a confié l'organisation d'un événement international. There's all a team and staff who have been the organization of all the things. Dont nous connaissons l'agenda. And you know, we know the agenda. Et c'est important que nous ne soyons pas dans la confusion par rapport à la France et par rapport effectivement à un groupe de personnes qui a un agenda bien précis, orchestré par le diable. It's very important that we won't be in confusion concerning France and this group of people who have a specific agenda for France, who is led by the devil himself. C'est vrai que ce qui a été fait enfonce le pays encore davantage dans les ténèbres. And what have been committed did something very worse for France. Et c'est une continuité, vous savez, il y a d'abord l'inscription, là, il n'y a pas longtemps, de droit à l'avortement dans la Constitution, on s'enfonce de plus en plus. A few months ago, they just voted for the abortion law, and now we are just diving more and more deeper in the worst. Personnellement, je pense que ce n'est que ma voix. C'est la voix d'un chrétien, mais c'est la voix d'un enfant de Dieu. Personally, it's just my voice, a voice of a Christian, mais je pense que c'est la voix de beaucoup de chrétiens aussi. But I believe that is the voice of many Christians. Je pense que c'est scandaleux. I believe that this is very scandalous. C'est consternant et c'est inadmissible. It's a consternation and an abomination. Et personnellement, je crois vraiment que les chrétiens doivent élever leur voix pour exprimer leur indignation. And personally, I believe that Christians must lift their voice to express the fact that they are not agree with that. Et pour condamner cette abjection. And condemn this objection. Vous savez, nos frères catholiques, on a souvent tendance à pointer du doigt en disant « Oh, eux, ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas l'esprit. » Vous savez, ils ont été les premiers à se lever. We point the Catholic people, but they were the first to stand against this. Ils n'ont pas attendu 24 heures. Hein. They didn't wait for 24 hours. C'est pour ça, je dis, revoyons parfois notre évangile, frères et sœurs. That's why I said we must maybe just quand check nous again. Comme nous sommes parfois prompts à envoyer des flèches. We are so quick to point. Il a été question d'unité tout à l'heure. It was question about unity. Par Samuel. Pastor Samuel shared that. Vous savez, pendant 18 ans, j'ai conduit l'Église persécutée dans l'Église. During 80 years, I led the church. Vous savez, dans les pays où les chrétiens sont persécutés, les persécuteurs ne font aucune différence entre l'évangélique et le catholique. In this kind of church where Christians are persecuted, they don't make difference between Catholic and evangelic. Il faut que nous sachions que dans les pays où la foi chrétienne est attaquée, on persécute aussi bien le catholique que le chrétien. In countries where people are persecuted, they persecute
even Christian, Catholic or evangelic, they don't make difference. Et ça, ça doit vraiment nous faire réfléchir dans cette dynamique d'unité. And this is something we must think about in this dynamic of unity. Parce que les premiers qui se sont levés pour condamner ce qui s'est passé, c'est la conférence des évêques de France. Because the first people who stand against it is the. C'est pas les évangéliques. C'est pas les charismatiques. C'est pas les pentecôtistes. C'est pas ceux qui ont l'esprit. C'est la conférence des évêques de France. The conference of. Des évêques de France. Et un extrait, ils ont dit, cette cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie du christianisme, ce que nous déplorons très profondément. They say that they deplore that people are mocking about Christianity, and it is something very. Et je sais que Philippe, qui suit de près les affaires de la FPF. And I know that my brother Philippe, who follow FPF. A saisi la FPF aussi pour que la FPF puisse, la Fédération protestante de France, réagir également. The French Protestantism Federation. Alors, nous souhaitons, par la grâce de Dieu, parce que nous appartenons à la FPF. We belong to this FPF. Que la FPF va aussi réagir promptement. We believe that FPF promptement. Will prompt. Pas à la fin des JO. Will quickly act. Ça n'aura plus aucun impact. Promptement. Very quickly. Wow, ça fait réfléchir, hein, frères et sœurs. Les valeurs chrétiennes sont bafouées. Christian values are. Et les premiers qui se lèvent, ce sont ceux qu'on dit, ah, regardez-les. And the first who are standing against what has been said is the one that we are pointing. Ça me rappelle la COVID. C'est parce qu'ils ont été jusque devant les tribunaux, jusqu'au Conseil d'État, qu'on ne nous a pas privés de toutes nos libertés. Il faut que vous le sachiez, frères et sœurs. It's because these people were before the court justice that we have. We didn't be private of our rights. Parce que parfois nous sommes des grands prieurs, mais des petits faiseurs. Because sometimes we are great prayers, but small people who are doing things. Donc nos frères catholiques sont des grands faiseurs. Il faut qu'ils soient aussi des grands prieurs, mais gloire à Dieu. Our Catholic brothers. Ça prouve qu'on a besoin d'être unis, justement. Great makers, but they need to be. Ça prouve justement qu'on a besoin d'apprendre les uns les autres. We must learn. From each other. This is a proof. À mon sens, vous savez, je pense vraiment que des excuses publiques doivent être faites à minima. Ça, c'est ce que je pense humblement. I consider that public excuses must be said. Mais vous savez, c'est quand Canaan avait atteint le comble de l'abomination que Dieu a jugé Canaan. When Canaan made the very great abomination, this is the moment where God came and made his judgment. Vous savez qu'avant qu'Israël n'entre à Canaan, en fait, à Canaan, le péché ne faisait que s'accroître. Il y avait toutes sortes d'abominations. Il y avait même des relations sexuelles entre des hommes et des animaux. C'est-à-dire, c'était des sacrifices humains, c'était terrible. In Canaan, they made so much abomination. Men were sleeping with animals and so many abominations. Et à un moment donné, Dieu a endurci le cœur. And God just make the heart became hard. Et quand le péché a atteint son comble, and when the sin came at à ce moment-là que la main de Dieu level, s'est abattue. The hand of God. Coïncident avec les 40 ans d'Israël qui entrent et qui prend possession de cette terre. The hand of God made the judgment. This is a coincidence with the 40 years when Israel have to come inside the promised land. Mais ce que je voudrais également dire, c'est que et nous ne nous appartient pas de demander à Dieu de faire descendre le feu du ciel sur les hommes. It doesn't belong to us to ask God to make his fire come down. Parce que le même Dieu qui juge, c'est également le même Dieu qui a dit que tout homme est destiné au salut. The same God that judge is the same one who said that every man is que sa volonté c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. He said in his will that his will is that every man know the truth and will be saved and not perish. Et nous savons que Dieu dit que sa volonté c'est pas que le pécheur, que le méchant meure, mais que c'est qu'il se repente de ses mauvaises. That the wicked will die, his will is that the wicked will be saved. Parce qu'aussi terrible que cela soit, il est créé à l'image de Dieu. Because he is created to the image of God. Donc nous prions la miséricorde de Dieu, nous prions le pardon de Dieu comme so nous avons dit tout à l'heure. So we pray for the forgiveness of God, for the mercy of God. Mais est-ce que Dieu laissera cet acte impuni? Ça,
j'ai des grands doutes. But mais ça, c'est la volonté de Dieu. Ça appartient à Dieu. Nous, nous devons prier selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon l'amour et la miséricorde de Dieu. Parce que même son pire ennemi, on ne peut pas lui souhaiter l'enfer. Because pour even for your enemy, you can't wish something like this for him. Mais Dieu reste souverain. But God stays sovereign. Et je veux également nous donner un passage qui nous encourage dans Ézéchiel 22. In Ezekiel chapter 22. Il faut que nous sachions que les abominations qu'il y a, ce que nous voyons, ça a déjà existé dans le temps. We must know that all abomination we are seeing actually is something happened in the past. Et c'est pour ça que ce qui est écrit dans les Écritures doit nous servir d'enseignement pour savoir comment agir, comment se positionner, comment prier. That's why the scripture is a light for us to indicate how we must act. Et dans Ézéchiel 22 au verset 29, là Dieu parle parce que le pays c'était l'abomination. Ezekiel 22, verse 29, God is speaking because in the country there was so much abomination. Et dans Ézéchiel 22, verset 29, Dieu dit, le peuple du pays se livre à la violence, comme commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Mais Dieu dit quelque chose. Parce que Dieu, c'est également le Dieu de miséricorde. God is the God of mercy. Dieu, vous savez, Dieu, c'est à la fois le lion de la tribu de Juda. He is at the same time the lion of Judah and the lamb of God too. Et même dans notre manière de marcher, nous devons toujours trouver la bonne balance entre le lion qui parfois doit rugir. Even in the way we walk as Christians, we must find a balance. Et le cœur de l'agneau qui between ne peut pas the lion se couper de la miséricorde. Who are roaring and the lamb. Parce que sinon, on rentre dans l'ancienne alliance. Maybe we can go back to the old alliance. Et on oublie qu'un prix a été payé. And we forgot about the price which have been paid. Pour sauver les hommes. To save men. Et malgré que Dieu a vu cette violence à l'époque d'Ézéchiel, malgré qu'il a vu la rapine, malgré qu'il a vu l'abomination, malgré qu'il a vu le malheureux qui était bafoué, etc., il dit, je cherche parmi eux un homme. Despite the fact God said so many things, so many violence and many bad acts, he said that he's looking for a man. Un homme ou une femme qui élève a man or un woman. Mur. Who is lifting a wall? Qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays. Who are standing on the gap in the favor of the country? Pourquoi? Afin que je ne le détruise pas. That I won't destroy them. À l'époque, Dieu a dit, mais je n'en trouve pas. But God say, I didn't find. Et parce qu'il n'en avait pas trouvé, les 10 tribus d'Israël, les 10 du nord, dispersés. And because he didn't find, all the tribes have been dispersed. Et même Israël qui est rentré à Canaan est à un moment donné devenu captif à Canaan sur la terre promise. Even when Israel came in Canaan, they became a slave. Et c'est parce que Dieu a captive. Dit, voyez, le verset qui suit est la conséquence de ce que Dieu dit avant. Dieu dit avant, je cherche l'homme. God je cherche celui qui va se tenir à la brèche et prier, mais comme je ne le trouve pas, I'm looking for a man, but because I don't find him, je répandrai sur eux ma fureur. I will release my je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. I will consume them with the fire. And I will j'en déduis à contrario que si Dieu trouve ces hommes et ces femmes, and I say, si in fact, Dieu if trouve God ce peuple find these people, this man or woman, qui crie pour la miséricorde, who is crying for mercy, qui crie pour la grâce, who is crying for grace, qui crie pour le pardon, who is crying for forgiveness, ça ne va peut-être pas éviter que la main de Dieu s'abatte, mais il y aura un espoir, il y aura une brèche, il y aura une espérance. Maybe the punishment will come, but they will have hope in the middle of it. Ce que ce passage nous dit, c'est que si Dieu trouve ces hommes et ces femmes qui se tiennent à la brèche, il y a une espérance pour la nation. This verse is speaking about the fact if God finds someone dit, who is standing on the gap. Là, il dit, je ne les ai pas trouvés. Donc, c'est pour ça que je vais descendre et manifester ma colère. Moi, j'en déduis également que si Dieu trouve, oh frères et sœurs, si Dieu trouve ces hommes et ces femmes qui crient à lui.
God said, because I didn't find him, I will exert my judgment. But if God finds this man or this woman who is standing on the gap and praying for mercy and forgiveness. Oh, ça n'évitera pas forcément les temps de trouble, parce que Dieu a sa manière d'agir. Dieu a sa manière d'exaucer. Maybe time of trouble will come, but God has his way to move and act. Mais nous savons que même si le feu va passer, nous savons que parce que nous sommes à genoux, nous crions à Dieu, il y aura de la lumière au bout du tunnel. We know even if the fire will come, if we stand and cry to God, God will make something, will act. C'est pour ça que plus que jamais dans ces temps troublés, particuliers, oh, le peuple de Dieu doit crier à son Dieu. That's why more than ever, in this time of trouble, people of God must cry to God. Parce que là, Dieu est en train de nous dire que la destinée, le destin de la nation est entre nos mains. Because God is telling us that the destiny of the nation is between our hands. Quelle responsabilité! What a great responsibility, people of God. Dieu avait dit, je cherche, si je le trouve, celui qui prie I'm looking. En faveur de la nation. If I find this one, j'agirai. Someone who is standing for the nation, I will act. Dans ces temps critiques, nous avons une responsabilité particulière, au-delà de l'indignation qui est juste et qui est normale. We have a great responsibility in this time, moreover than the consternation that we are into. Mais nous sommes le peuple de Dieu. But we are the people of God. Oh, je dis nous sommes le peuple de Dieu vivant et vrai. I say we are the people of God. Nous sommes the le peuple de Dieu vivant et vrai. The living and true God. Et parce que nous sommes le peuple de Dieu. And because we are the people of God. Nous ne pouvons pas simplement rester sur l'émotion. We just can't stay on emotions. Nous sommes des êtres émotionnels. On nous a touchés dans l'intime. Donc c'est normal que nous réagissions. Our intimacy, mais nous sommes des êtres spirituels. But we are spiritual. Nous sommes le peuple de Dieu. We are people of God. Et nous devons agir selon ce que dit la parole de Dieu. And we must act according to the word of God. Et là, la parole de Dieu nous dit, nous avons les clés. And the word of God says that we have the keys. Du destin de la nation. For the destiny of nation. Tu as les clés. You have the key. Du destin de la France entre tes mains. Of France's destiny in your hand by your prayer. Est-ce que tu réalises cette responsabilité qui est la tienne, which is yours, du peuple de Dieu? Who is mine? Who is the responsibility of the people of God? Nous avons les clés du destin de la France entre nos mains. Of France's destiny. In our hand. Ézéchiel 29 à 31 est très clair. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Alors soyons de ceux qui élèvent des murs, we de ceux qui crient à Dieu. The one who are standing, who de ceux qui bâtissent une clôture, un chama autour de la France, autour des hommes et des femmes de la France. Walls around men and women of France. Et Dieu fera sa volonté. And God will make his will. Parce que vous savez, dans le livre des juges, il est écrit qu'il y a des hommes pour lesquels leur condamnation est écrite déjà avant la fondation du monde. Elle est déjà écrite. The Bible says that there are men, their judgment is already done before the end of the world. Leur condamnation est déjà scellée. Their condemnation have been sealed. Mais nous ne les connaissons pas. We don't know them. C'est ce que Jude nous dit, mais nous ne les connaissons pas. Nous devons prier pour la miséricorde et pour le salut. Et Dieu fait sa volonté. And God will make his will. Et ce que je voulais également vous dire, frères et sœurs, c'est que ce n'est pas le diable qui fixe l'agenda de Dieu. It's not the devil who fixes God's agenda. C'est pas le diable qui fixe l'agenda de Dieu. It's not the devil. Ça, c'est mon introduction. Dieu m'avait donné son message this que je vais libérer. Introduction. I will release it. Il ne fixe pas l'agenda de Dieu. He doesn't fix the agenda of God. Donc nous n'allons pas passer toujours nos temps à réagir à ce qu'il fait. So we won't take our time too long to react to what he's making. Mais ça, là, c'était particulier parce que on a franchi une limite. This is very specific because we were in a high level of abomination, so that's why we must react. Je me souviens que j'ai entendu même qu'il y a des pays qui ont même censuré certains passages tellement c'était violent quoi. I heard that some country make censure on some image because it was too hard for them. Maintenant, en fait, ce que je vais vous dire, c'est ce que le message que Dieu m'a donné, the message God gave me, qui est quelque part la véritable réponse, which is the real answer, que Dieu attend de nous dans ces temps troublés. Amen. God is waiting of us in this time of trouble. Mon titre, c'est
ton don. My title is exercise your gift. Amen. Amen. Exerce exercise ton don. Your gift. Parce qu'une fois qu'on s'est offusqué, une fois qu'on a dit ah là 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 là, une fois qu'on a parlé, une fois qu'on s'est agité. After we are in consternation. Une fois qu'on est tombé en syncope. And we just. Une fois qu'on ne sait plus comment réfléchir. And we didn't know how to. Une fois comme Jean-Pierre, on dit ça va, ça va. Like Pastor Jean-Pierre, we say ça va, ça va. Bon. It's fine, it's fine. Qu'est-ce qu'on fait après? What we do after? La seule façon de répondre, oh mon frère, ma sœur, c'est de libérer la grâce de Dieu sur ta vie. C'est d'aller dépeupler les puissances des ténèbres. C'est d'aller briser les jougs. C'est de libérer les captifs. Ceux-là même qui font ces choses, c'est de libérer ces captifs. C'est d'aller briser les chaînes. C'est d'ouvrir les yeux de ces aveugles spirituels. C'est de manifester la plénitude de la grâce qui est sur ta vie. And manifest the fullness of the grace upon our life. Il n'y a pas d'autre réponse. There's no answer. Il n'y a pas d'autre réponse. La réponse est qu'il faut qu'on aille dépeupler l'enfer. We must go and get out the people from the hell. Il faut qu'on aille impacter la nation. And make an impact on the nation. Par la grâce que Dieu a mise sur nos vies. By the grace that God released upon our life. Par l'onction qu'il a mise sur ta vie. By the anointing. Par les dons que Dieu t'a donnés. By the gift that God gave us. Quand Dieu t'a donné ses dons et ses talents et ses grâces, il savait qu'on allait passer par des moments de ténèbres. When God gave us the grace, the talent and all the gift, he knows that we will go in times of trouble. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1er, il a dit la lumière brille au milieu des ténèbres. That's why in John chapter 1, he said that the light is shining in the middle of darkness. Frères et sœurs, s'il y a bien un moment pour briller dans les ténèbres, c'est maintenant. If there is a moment to shine in the darkness, c'est pas demain, c'est maintenant. It's not tomorrow, it's now, today. C'est pas le moment de dormir. It's not time to sleep. C'est pas le moment de prier 5 minutes pour bénir ton repas. It's not time to pray just 5 minutes to bless your food. C'est pas le moment de mettre ta parole, la parole de Dieu de côté parce que c'est les vacances. It's not the moment to put the word of God aside because it's holidays. C'est pas le moment de marcher dans le compromis. It's not time to walk in compromise. Parce que tu ne peux pas d'un côté condamner ce que tu as vu. Because you can't condemn. Et de l'autre côté marcher dans le compromis. And walk in compromise. Et donc bloquer la réponse de Dieu que tu es. And lock the answer of God. Oh frères et sœurs. Je veux te dire aujourd'hui que tu es la réponse de Dieu. Non, non, regarde pas seulement ton voisin, toi-même, tu es la réponse de Dieu. Au milieu de ces ténèbres, la réponse ne viendra pas d'ailleurs. Elle viendra de toi. Elle viendra de moi. Elle viendra de ta consécration. Elle viendra de ta capacité à libérer la puissance de Dieu. Parce que les hommes sont enchaînés. Because men are under chains. Oh, je me souviens, Romain, on était parti. C'était une conférence dans le sud de la France, organisée par les Néo-Calédoniens. Pendant 3 jours, il m'avait invité. For 3 days, they invited il y avait un homme qui était là. Sa femme l'a amené, mais il ça faisait des années, lui, Jésus, il ne fallait pas lui en parler. Il est venu là-bas juste pour faire plaisir à sa femme. Il était comme ça, les Néo-Calédoniens. Les Néo-Calédoniens sont redoutables quand ils sont comme ça. Il regardait bien là, quand je pressais là. It just was looking at me when I was preaching. Oh frères et sœurs, Romain se souvient, la puissance de Dieu est tombée sur lui. The power of God. Il a témoigné que il a senti des chaînes tomber comme ça. He gave the testimony. Il a confessé Jésus. He felt the chains. Des mois après, il s'est baptisé dans le sud. And many Laetitia m'a envoyé la vidéo de son baptême. And I received the frères video et sœurs, nous sommes la réponse. We are the answer. Nous sommes la réponse. We are the answer. La seule réponse, c'est de libérer ton don et ta grâce. The only answer is to release your gift and your grace. Sinon, tu vas être dans la lamentation. Or maybe you will be in lamentation. Oh Seigneur, mais regarde ce qui se passe. Oh Lord, look at what is happening. Mais regarde comment ils sont méchants. Look at how people. Regarde, le diable est encore agi là. Look at how the devil may. Mais Dieu va te dire, et toi tu es gigant. And God say, and you, what? Le diable il agit, et toi tu es gigant. But when will you move? When will you make something? Oh frères et sœurs, c'est le temps de sortir, c'est le temps d'agir. It's time to come out and make something.
and act. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, 31, that's Paul a dit. Vous savez, dans 1 Corinthiens 12, c'est là où Paul parle des dons du Saint-Esprit. This is where Paul is speaking about the gift of the Holy Spirit. Il y a beaucoup d'autres dons, mais il parle des 9 dons. There's en particulier. Many others gift, but he's speaking about some specific gift. Et quand Paul finit, and when Paul finishes sermon, ce passage, quand il cite tous les dons, ensuite, au verset 31, Paul nous dit, verse 31, il faut désirer ardemment. You say that you must desire how les dons les plus excellents. Il faut aspirer ardemment. Amen. Aspirer ardemment. Or, désirer avec ardeur des dons plus excellents. Et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. You must desire the higher gift, and I will show you a still more excellent way. Frères et sœurs, vous savez, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, whatever si what people on n'utilise pas la boîte à outils que Dieu nous a donnée, if we don't use the tools on ne that sera God gave jamais us, efficace. We won't be efficient. On ne sera jamais efficace. We will never be efficient. C'est comme si tu vas chez un mécanicien. If tu vois, like you go ta voiture a un problème dans le moteur. The garage, and tu dis, tu peux réparer ma voiture? And you ask them to repair your car. Oui, je vais essayer. Et c'est oh, tu es mécanicien okay, ou pas? I will try. Okay. Oui, je suis mécanicien. Mécanicien mais alors, bah, yes. So, mes outils sont là. Bah, utilise ces outils. There, so mais them. Je sais pas. I don't know. Va ailleurs. Go away. Don't stay there. Alors nous, Dieu nous a donné des boîtes à outils, des dons, so des grâces, des talents, des capacités. Some tools, box, talent, capacities. Et nous sommes destinés à faire la différence. And we are designed to make the difference. Oh, sur le domaine, dans le domaine séculier, il y a des choses que je pourrais tellement vous dire, mais pas au micro. There's so many things I have to share with you, but not in the microphone. Mais nous devons aspirer au don. Earnestly desire the higher gift. Tu dois aspirer au don et tu dois connaître desire tes dons. The higher gift. And oh, il faut chercher à connaître les dons que Dieu t'a donnés. You must look and search. Sinon, tu marches comme un aveugle. Or you are walking like a blind. Tu ne sais pas people. Où tu vas. You don't know where you go. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné. You don't know what God gave you. Donc évidemment, tu es dans la confusion, tu ne sais pas comment so you opérer. Are in confusion because you don't know how to operate. Il est temps que les enfants de It's Dieu identifient dans la prière. To identify in prayer. Que ce soit toi face à Dieu ou d'autres qui prient pour toi. Maybe face to God, recevoir la révélation de ce que tu as reçu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à outils? Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à outils? Parce que si tu veux utiliser les outils d'un mécanicien pour faire le boulot d'un boulanger, j'achète pas ton pain. I won't buy your bread. Donc le problème c'est que si tu ne sais pas ce que tu vas essayer d'opérer dans une grâce que tu n'as peut-être pas. So if you don't know what you possess as gift, you will try to operate in a way that is not belongs to you. Et dans Daniel 2, in Daniel chapter 2, si vous voulez vraiment noter un passage, c'est celui que Dieu m'a donné. If you want to write it, en particulier pour ce matin. This is the specific chapter God gave il y a une inspiration particulière tout le chapitre 2 par rapport Daniel chapter 2, all the chapter. À la manière dont on doit fonctionner par rapport à ce que je viens de vous dire. It speaks about the way that we will work. Vous savez, le roi à l'époque c'était Nebuchadnezzar. At this time, Nebuchadnezzar was the king. Frères et sœurs, on parle de satanisme, hein? On parle de sorcellerie. We speak about witchcraft, satanism. Son pouvoir, il le puisait dans la sorcellerie, dans le satanisme. C'était un pouvoir démoniaque. His power, it was just digging in satanism, sorcellery. It was a power from darkness. Parce que là, on a vu un truc. Ouais, bien sûr, c'est dingue, c'est fou. Mais il faut Because savoir que Nebuchadnezzar, les sorciers, ils étaient on les voyait comme ça dans sa cour. C'était ses conseillers. Nebuchadnezzar, the witchers were around him. It was all his counsel. C'était en pleine lumière. They don't hide. Son pouvoir, il le tenait là, de la sorcellerie. C'était satanique. From satanism, sorcellery. Nebuchadnezzar ou en Égypte, que ce soit Pharaon, les sacrifices des premiers-nés dans le Nil. Bien sûr, il fallait sacrifier les enfants. À l'époque de la naissance de Moïse, il fallait livrer du sang au Nil, aux démons. When Pharaoh sacrificed the firstborn in Egypt. Et nous avons un Daniel qui est au milieu de ce monde
totalement pervertis. And we have a Daniel in the middle of this world who are really perverted. Et même à côté de quelqu'un qui tenait son pouvoir du mal. And he was aside to someone who was qu'on devait adorer. Vous vous souvenez, hein? Sa statue était immense. Tu ne te prosternes pas devant lui, tu es mort. If you don't bow before the statue, si tu ne te prosternes pas devant lui, tu es mort. You will die. On parle d'un temps de ténèbres. Là, c'était le temps des ténèbres. A time of darkness. This was one. Et là, le roi a un rêve. Dieu lui donne un rêve. And God gave a dream to the king. Dans Daniel 2. In Daniel chapter 2. Le fameux songe rêve sur la statue. The dream about the statue. On va pas lire pour le temps. We won't read it, but. Mais ce qui est extraordinaire, vous lirez dans ce passage, c'est que Daniel, à un moment donné, le roi, il dit, tous les sages là, les sorts, tous, vous tous qui avez le pouvoir là. The king was speaking to all people around him, enchanters and sorcerers and. Je veux que vous me racontiez mon rêve et vous me donnez l'explication. I want you to tell me about my dream and give me the explanation of it. Parce que comme notre Dieu est trop fort, il a fait en sorte que Nebuchadnezzar ne dort plus la nuit. Because our God is so powerful. Insomnie. It just makes the king not sleeping for many nights. Et les sorciers, ceux qui sont trop forts là. And the enchanters, rois, those who are so strong. Vis éternellement. Oh king, live eternally. Donne-nous le rêve, on te donnera l'explication. And give us the dream, we will give you the explanation. Ah ouais, bande de rigolos, en gros, je paraphrase. You say yeah, come on. You are joking. Vous voulez que je donne le rêve comme ça, après vous allez me raconter en gros des salades. You want to dump me with the dream. If I give you the dream, you will give me a false signification. Donnez-moi le rêve, racontez-moi mon rêve, après je saurai que vous avez la capacité de l'interpréter. Tell me my dream and then I will know that you have the ability. Ô roi, mais on n'a jamais demandé ça à des magiciens, à des sorciers. No one has this for the enchanters. Et entre eux à voix basse, ils ont dû dire, il est fou ce gars. And maybe between il est fou ce type. The dressing is crazy. The king is crazy. Depuis quand on sait ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un? Since when we know what is in the head of the king? Le roi dit, c'est comme ça. Hein. And the king say, oh, okay, it's alors, like that. Si personne peut faire ça, je tue tout le monde et vos maisons, on va les raser. If no one can give me the explanation, I will kill everyone and I will erase all your house. Everyone was scared. Là, c'était chaud. Hein? It was very mais le problème, c'est que Daniel faisait partie de cela. But Daniel was a part of them. Bien que Daniel était de Dieu, mais comme il ne faisait pas la différence, pour eux, il avait aussi son Dieu là. Chacun avait son Dieu. Daniel was in the middle of them, but he has his donc, own God. Donc, quand Nebuchadnezzar prononce cette sentence, le problème, c'est que Daniel est aussi embarqué dans l'affaire. When Nebuchadnezzar pronounced the sentence, Daniel was in the middle of them too. It was concerning him. Et donc là, grand 1, first, le défi. The challenge. Je vais vous donner 10 points. Petit, le premier point, points, le défi. One, verset 11 à 13, le défi. Verse 11, to 13, 11 à 13. The challenge. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. C'est ce que disent les sorciers. Verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. Verset 13, la sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. Petit 1, le défi. The challenge. Le First. Défi. Que faire face à un tel défi? What will you do face to a challenge like this? Là, le défi, c'était la mort. Hein. The challenge was death. La mort. Death. Point 2. Second point. Le courage. The courage. Le courage. The courage. Les versets 14 à 16. Verse 14 to 16. Daniel ne se laisse pas abattre. Daniel was not in affliction. Oh, frères et sœurs, dans ces temps mouvementés, il va nous falloir du courage.
We must be courageous. Oh, we need il n'y aura pas de place courage. Pour les croire. It won't il n'y aura pas de place pour la couardise. For the affliction or le courage, versets 14 à 16. Courage, verse 14 to 16. Daniel dit, il est écrit, « Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, versets 14 à 16, verset 15, là, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioc exposa la chose à Daniel. Verset 16. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Le courage. The courage. Il va affronter celui qui a décidé de le mettre à mort. He will face the one who decided to kill him. Vous savez, il est écrit dans le Nouveau Testament que toutes ces choses ont été écrites pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous inspirer. Et que c'était l'ombre des choses à venir. All this thing is here to instruct us, retenez to teach us les principes qu'il y a derrière. And to, we must understand all the principles behind it. Troisième point. Third point. La prière individuelle. Individual prayer. Et les associés de prière. And the partners of prayer. Les partenaires de prière solides. The strong and solid partners of prayer. Versets 17 à 18. Verse 17 to 18. Non seulement Daniel entre dans la prière, mais Daniel se connecte avec des partenaires solides dans la prière parce que le niveau du combat était particulièrement élevé. Quand le combat atteint un certain niveau, Daniel were in a prayer. He entered in prayer, and he entered with solid companions in prayer. He found solid partners because the level of the battle was so high, so he need partners to pray with him. Quand Dieu commence à t'emmener quelque part, quand Dieu commence à emmener quelqu'un quelque part, il faut des partenaires de prière solides. Ta seule prière ne suffira plus. When God starts to lead you somewhere, you need partners of prayer because your only prayer will won't be enough. Même pour me tenir là où je me tiens avec vous, un groupe de personnes bien précis à prier. Even for me to stand here before you, a group of people prayed for me. Et prie toujours, chaque fois que je prêche ou je sors. And pray every time I preach or I come out somewhere to preach. Si on a la vanité de penser qu'on peut percer seul, non, c'est pas possible. If we just ça n'existe pas. And we are proud to think that we can be do the things alone by ourselves. Dieu n'a pas permis it cela pour qu'on soit pas orgueilleux, on se prenne pas Dieu à la place de Dieu. God doesn't allow it. Dépendant, interdépendant. He made us dependent. Wow, quelle que soit la grâce, quelle que soit l'onction qui est sur ta other. Vie, quelle que soit l'onction, même si tu ressuscites les morts, même si tu as l'onction qui ressuscite les morts, the death people, si tu n'as pas discerné les connexions divines, stratégiques dans ta vie pour la prière, tu vas stagner. The divine connection for your prayer life, you will be in stagnation. Des partenaires d'alliance. Partner of covenant. Donc, versets 17 et 18. Verse 17 to 18. Ensuite, dès que Daniel voit le roi, then, Daniel ne s'est pas précipité à essayer de trouver des solutions par son intelligence, par son expérience. Non, ce n'était pas le moment. When Daniel saw the king, he didn't try to manage himself to find solution or equation or explanation. Les enjeux, le moment était trop grave. Il fallait entendre Dieu. He need to hear God, so he just step. Il y a des moments où il faut entendre Dieu. We must hear from God. Daniel, la réaction c'était, il faut que je prie, il faut que je me connecte à ceux qui prient avec moi. Daniel's reaction is, I need to pray and I need to be connected to God. Donc, and to those who are here with me. Il est écrit au verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Il partage le challenge. Il partage le fardeau. He shared the challenge, the burden. Pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc là,
Le but de ce partage, c'était implorer Dieu. The goal of this sharing is to implorer Dieu. God. Oh Sylvie, je sens que ce message te parle particulièrement. Sylvie, I hear that. Oh, je sens que ce message te message parle. Is very specific to you, speaking to you. Et il fallait aller partager. And they must go and share. Implorer la compassion de Dieu. And ask for God's mercy. La prière individuelle the individual prayer. Et la prière des partenaires, des prières solides. Prayers, c'est rarement un grand nombre. Hein. C'est rarement un grand nombre. It's not a lot of people. Prier sur le volet par le Saint-Esprit. It's just a few people. Mais c'est indispensable pour l'étape suivante. Who have been connected to you by the Holy Spirit and is very useful for the next level that God Amen. Is leading you to. Amen. Point 4. La révélation, la louange et l'action de grâce. The worship and, la louange, l'action de grâce, la révélation. Worship and revelation and act of gratefulness. Verset 19 à 23. Verse 19 to 23. Pour moi, le verset 19, c'est un de mes versets préférés. Verse 19 is my favorite one. Avec le verset 22. And the 22 too. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Woo! Then the mystery. Là, comment que je suis excité là? To Daniel in the vision of the night. Le mystère. The mystery. Fut révélé à Daniel. Have been revealed to Daniel. Dans un songe pendant la nuit. In a vision during the night. T'entends ça, Nathalie? Yes. T'entends bien? Yes, I hear. I hear very well. Le mystère. The mystery. Dieu débloque la situation. God is dislocking the situation. Face aux défis. Face to the challenges. Ne t'agite pas. Don't be shaking. Don't panic. Daniel, quand le commandant est arrivé le voir, il a pas commencé à dire quand il a pris la nouvelle. Je vais mourir. He said, I will die. On va mourir. We will die. We're gonna die. Calme. Confiant dans son Dieu. Trust in God. Il faut entendre Dieu. You must hear Parce que God. Dieu a une solution. Because God has a solution. Parce que quelqu'un ne peut pas décider de nous détruire et Dieu ne parle pas. Ce n'est pas possible. Because nobody can, try to destroy non, us, tu ne peux God pas être confronté à une situation particulièrement difficile pour toi sans que ton Dieu te parle. You can face a very strong situation, hard situation, without God speaking to you. Il faut le chercher. You must seek the face of God. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. In the calm, in the trust, and there will be your confidence. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au verset 22, il est dit, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. God is c'est lui qui révèle les secrets, ce qui est profond what is deep et caché. And hidden. À lui appartiennent la sagesse et la force, au verset 21. C'est lui qui change les temps. Et les circonstances. Is the one who is changing time oh, quelles que soient les circonstances et les temps que tu peux traverser, aussi difficiles soient-ils, ton Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Even if you are facing difficult times, God is ton able Dieu to change the time and the circumstances. Change les temps. Is changing the time. Et les circonstances. And all the circumstances. Laetitia, Dieu change les Laetitia, temps et les God circonstances. Is changing the time and the circumstances. Ils ont rendu grâce à Dieu. Just praise God. Cinquième point. Five points. L'action et la manifestation du don. Action and manifestation of gift. Là, on associe même au verset 4 aussi. Le don a été activé. Le don a été activé. Active. Le don de révélation. Là, c'était beau Daniel, c'était ça. Ça peut être autre chose pour toi. I've been active. Daniel, ce que je veux vous faire comprendre, le principe, c'est que Daniel connaissait sa grâce. Daniel connaissait son don. Daniel savait que dans la prière, he knew that in prayer, avec des associés solides, with strong partner, Dieu allait parler. God will speak. Dieu allait parler.
Il faut connaître ton don. Il faut connaître ton don et savoir comment ils opèrent. And how to operate with this gift. Et j'ai toujours eu à cœur de fonctionner là-dedans, ce domaine, de challenger, d'enseigner, de coacher des jeunes. D'ailleurs, je l'ai fait avec certains pendant pas mal de temps sur l'identification des dons et la manière dont ils opèrent. And it was something very deep in my heart that I want to share with the young people. I was training them to exercise and to look about the gift that they have and identify it. Parce qu'une grande partie de la frustration face au challenge, au défi, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas comment opèrent nos dons, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Donc, on appelle à gauche, à droite, c'est bien, mais il faut aussi savoir, Dieu m'a donné les clés également, autrement, j'ai les clés. Pour la percer. Because the frustration for them is when they are facing a situation they don't know how to act, how to do the things, and they call everywhere. That's good, but it's good also to know how to face the challenge you have faced to you. Donc le point 5, je disais que l'action et la manifestation du don, c'est le verset à partir de verset 24 et les suivants. From verse 24. Quand Daniel va voir il va voir Arioch. Il est dit, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioch, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Wow. C'était une situation qui se débloque. It was a situation par le don. Which was dislocking only by the gift. C'est l'action du don qui débloque the la situation. Of the gift dislocked. C'est le fait d'opérer dans le don qui a débloqué la situation. The fact that they were operating in the gift. Parce que les challenges auxquels tu seras confronté, Dieu connaît toutes choses, mais il t'a aussi équipé pour que tu perces et que tu aies les solutions pour traverser l'épreuve. Because God knows the challenge that you have to face too, but he also equipped you. Il t'a donné les outils qu'il faut. He gave you all the tools you need. Il t'a donné les personnes qu'il faut the que tu discernes. And you must il faut discern. Que tu discernes. You must discern. Tu ne peux pas vivre ta foi seul. You can't live your life and your faith alone. Point 6. S'effacer pour donner toute la gloire Point à Dieu. Point 6. Daniel a compris. And left all the space to God. Et c'est pour ça que Dieu l'a emmené d'élévation en élévation. Daniel understood that. That's s'effacer why God lifted him. Pour donner la gloire à Dieu. Verset 28. Verset 28. Parce que Daniel n'arrive pas avec une grande prétention en sonnant de la trompette. Pam, 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 pam. Roi Nebuchadnezzar, oh yeah, citoyen, citoyenne, j'ai la solution. Because Daniel didn't come like that. He didn't come with the trumpet, the sound of trumpet, and say, oh yeah, I have the interpretation. Verset 28. Mais il y a dans les cieux. Au verset 27 même, il est dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. En gros, ce n'est pas un homme qui peut te donner la solution. Daniel said to verse Donc, 27, en gros, même moi qui suis devant toi, qui suis un homme, ça veut dire que ce n'est pas moi qui te donne l'explication, parce qu'un homme ne peut pas donner cette explication. Daniel s'efface totalement pour rendre toute la gloire à Dieu. He said that it's not the work of magicians or people, enchanters to give the interpretation, even me as a flesh man. Et on voit toute l'humilité de Daniel. And we saw all the humility of Parce que si Daniel était bourré d'orgueil, il aurait pu dire, voilà, parce que moi j'ai une explication. Puisque Nebuchadnezzar ne savait pas de quelle manière il a reçu la révélation. Mais Daniel s'humilie. But Daniel humbled himself. Verset 28, mais il y a dans les cieux, il y a dans les cieux, But there is in the heaven, un Dieu qui révèle who reveals les mystères. Mysteries. Il y a dans les cieux. But there is in the heaven. Daniel prépare le cœur du roi à rendre gloire à Dieu. Daniel prepared the heart of the king Parce qu'il to sait, worship God. Daniel sait que ce qu'il va lui dire est tellement extraordinaire. Because Daniel know that what he will tell C'est tellement him extraordinaire, is so extraordinary, qu'il va être émerveillé. So amazing that he will be amazed. Donc il prépare son cœur.
So I prepared pour ne pas recevoir cette gloire, mais pour la donner glory, au Dieu des cieux. But to give the glory to God, who is mais in il the y heaven. A dans les cieux un Dieu qui... Daniel dit ça avant de révéler le songe, avant de révéler le rêve. Il dit d'abord ça. Daniel, il s'assure que la gloire reviendra à Dieu. Daniel said this before giving the interpretation because he wants all the glory go back to God. Ce sont des clés pour avancer parce que même si tu avances, si à un moment donné tu ne sais plus donner la gloire à Dieu, tu commences à stagner, à être périclité. These are keys to move forward because if you are just go higher and higher and you are not able to give God the praise that he deserves. Mais il y a dans les cieux, amen. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve et les visions que tu as eues dans ton lit. Amen. Amen. Wow. Point 7, la percée et la manifestation de la gloire de Dieu. Point 6. La percée. The breakthrough et la manifestation de la gloire de Dieu. And the manifestation of the glory of God. Tu exerces ton don dans cette dimension-là, en respectant ces principes. If you exercise your gift and respect this principle, oh, tu connaîtras la percée. You will know the breakthrough. Tu connaîtras assurément la percée. You will for sure know the breakthrough. Et la manifestation de la gloire de Dieu. And the manifestation of the glory of God. Versets 46 à 47. Verse 46 to 47. C'est lorsque le roi en personne. Le roi en personne va tomber face contre terre. The king himself le roi upon his face. De l'empire babylonien. The king of Babylon. Nebuchadnezzar. Il va tomber face contre terre. He will fall. Non, il va tomber face upon contre his terre. Face. Ce sataniste. This Satan, ce gars qui louait les démons. The one who are worshiping ce the gars devil, qui puisait son pouvoir dans les démons. Who was digging his power in the darkness. Ce roi qui était entouré de sorciers, de magiciens, d'astrologues et tout. Who are surrounded by magicians, enchanters and everyone. He fell upon his face before God. Il tombe devant le Dieu he de Daniel. Fell upon his face. Alléluia. Amen. Verset 47. Alors le roi, Daniel vient de révéler le songe. Il vient de révéler, il donne les détails, on ne va pas lire. Daniel gives the interpretation of là, je donne les versets qui illustrent donc la percée et la manifestation de la gloire de Dieu de point 7. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba la face contre terre, se prosterna devant Daniel et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. Amen. Le roi, merci Samuel. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. » Personne ne peut acclamer Dieu pour ça. Mais Église, il faut que tu acclames Dieu. C'est le moment d'acclamer là. Comment tu peux rater le moment d'acclamer? How can you miss this moment? Comment tu peux arrêter? Non, acclame encore parce que comme tu as raté là au début, deuxième because portion. You miss it, so do it again. Give it up for the Lord. Attendez. Nebuchadnezzar tombe à terre. Un sorcier, un sataniste. Et tu n'acclames pas ton Dieu. And you don't give a clap troisième salve, troisième salve seulement, troisième salve. Ok, I give you a third opportunity to give it. Dieu est trop merveilleux. Il est trop merveilleux. Il est trop merveilleux. Il est trop merveilleux. It's so amazing. C'est pour ça que nos cœurs ne se troublent pas. That's why our hearts are not troubled. C'est pourquoi que nos cœurs That's ne why se our troublent pas. Is not in trouble. Si Nebuchadnezzar a pu se prosterner If devant notre Dieu, qui d'autre ne le fera God? Pas? Who won't make it? Qui d'autre ne le fera Who pas? Else won't make it? On a un Dieu qui est dangereux. We are very dangerous On a un Dieu God. Qui est dangereux. Very il ne faut pas trop God. Le chercher. Il ne faut pas trop le chercher. Don't try him. Il ne faut pas trop le chercher. Don't try God. Verset 47, on a dit. Verse 47, we say. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. C'est-à-dire, mon Seigneur, moi qui suis roi. En gros, il est en train de confesser que non seulement il est le Dieu des cieux, mais il est le Seigneur des rois, dont mon Seigneur. He said that God non, c'est trop is fort. The God of un God. Sataniste, says, my un démoniaque. A sataniste, a démoniaque.
Dieu est extraordinaire. God is so amazing. Il s'agit de notre Dieu. Il s'agit de ton Dieu. Il s'agit de ton Père céleste. C'est ton Dieu dont il s'agit. Ce n'est pas un étranger. C'est ton Dieu. C'est ton Père. It's not about a stranger. It's about your Father. Que ta foi soit encouragée. May your faith be encouraged. Point 8. Dieu. Point 8. Quand le don s'exerce de cette manière, avec toute l'humilité. When the gift is exercising with humility. Avec le zèle, le courage, la hardiesse. Courage. Avec toute la gloire que l'on rend à Dieu. And all the glory we give to God. Point 8. Point 8. Dieu élève l'instrument. God is lifting the Dieu bénit instrument. L'instrument. He blessed the instrument. L'instrument ne s'élève pas lui-même. Dieu bénit l'instrument. God is blessing the vessel. Mais ce n'est pas fini. But that's not the end. Dieu, frères et sœurs, bénit aussi les partenaires de prière. God is blessing oh, que les partenaires the partners de prière, of prayer. Que les partenaires de prière soient encouragés. May the partners of que prayer mes be partenaires de prière en particulier soient encouragés. May my partners of prayer be encouraged. Verset 48. Verse 48. Pour Daniel et verset 49 pour les amis de Daniel. Dieu va non seulement toucher Daniel, élever Daniel, mais Daniel va parler au roi de ses amis. God will touch Daniel and he will speak. Daniel will speak about his companions to the king. Verset 48. Verse ensuite, 48. Le roi éleva Daniel. The king lifted up Daniel. C'est pas Daniel qui s'est élevé, hein. It's not Daniel. Le roi a élevé Daniel. Lifted himself alone. It's the king who did it. Parce que Daniel, voyez-vous, oh, je crois que ça va challenger. Because la pensée de beaucoup d'entre vous. Daniel, parce que malgré ce roi sataniste, Daniel despite the est resté soumis. Daniel have been submitted. Dans les limites de la parole de l'obéissance à Dieu. In the limits that the word of God gives. Mais il est resté soumis. But he has been c'est submitted. Quand on touchait à l'obéissance qu'est due à Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Dieu lui demande de faire. Là, non, il n'obéissait pas. Mais là, de manière générale, Daniel était soumis. Daniel was submitted, but when the touch of the word of fouli, God, of the fouli, hérésie. Of the obedience to the word of God, Daniel did not submit, but he was fully submitted. Oh, vous savez, la parole de Dieu nous dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. The word said that the wisdom of God is foolishness. Parce que nous on allait dire, mais jetez-le au feu, allez, mettez-moi un chrétien là, sortez-le, mettez-moi un chrétien à sa place. Get him out and put a Christian to replace him. Mais parce que Daniel a compris également le principe de la soumission à l'autorité. But because Daniel understood the dans une dimension extraordinaire. In authority, parce que si Daniel n'avait pas compris ça, je ne vois pas comment il aurait pu opérer dans la cour de Nebuchadnezzar. If he didn't understand that, he couldn't operate in the et le roi élève Daniel. Nebuchadnezzar, and et cette position sera stratégique pour tout le peuple d'Israël. And this position was very strategic for all the people of Israel. Donc il est écrit que le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel ne pouvait pas voler cette autorité. Daniel il fallait qu'elle lui soit donnée par celui qui authority. La détient et par celui qui était le seul capable de la donner. He received it from the one who was belonged to. Et au verset 49, Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. C'est-à-dire, ses amis aussi ont été élevés en his autorité. His friends too was promoted. Amen. Amen. Ce qui veut dire, ça peut parler à certains, peut-être that pas à tout le monde. It's speaking to some of you. Vous avez vu que parfois il peut y avoir une concomitance entre ce que j'appellerais l'élévation dans l'autorité spirituelle, dans l'ecclésial, dans ce qui est ecclésiastique, et l'élévation de l'autorité dans le monde séculier. Sometimes voyez you can find voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Daniel, à la fois, il a été utilisé dans le don spirituel, God used Daniel in the spiritual gift, qui est l'exercice d'un don purement spirituel,
spirituelle. And in the exercise of the spiritual gifts. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans la manière d'opérer de Dieu dans la vie de Daniel, il élève, non seulement il était élevé au niveau de l'exercice du don, mais il élève également en autorité dans le monde séculier. Daniel lifted Daniel in the gift, but he also lifted up in the secular part. De telle sorte que certains d'entre vous pourront recevoir ce que je dis, de telle sorte que l'autorité que Daniel exerçait par les dons, ce qu'on dirait les dons de l'esprit. Then the gift of the Holy Spirit in Daniel. Parce qu'à ce niveau-là, il faut avoir une certaine position d'autorité. In this position, you must have a position of authority. Dieu le place carrément d'une manière parallèle également à une position d'autorité dans le monde séculier. God also lifted him in the secular aspect. C'est extraordinaire. That is amazing. Et le point 9, c'est pas systématique, mais c'est au verset 48, c'est que la faveur, les richesses, l'abondance. The favor, the riches, abundance. La faveur a été libérée dans the la vie favor de Daniel. Have been released in the life of Daniel. Mais je ne suis pas en train de te dire que chaque fois que tu vas opérer dans la dimension de ton don et que tu as des percées, tu vas devenir riche. Waouh, je vais m'enrichir. Ouh, cherchons le don. Cherchons vite le don là. I'm not telling you that every time you are operating in voilà. the gift, c'est pas comme ça qu'on devient riche. You will have the riches. Voilà. Il faut demander aux frères et sœurs persécutés dans le monde. Ask to your brothers and sisters who are persecuted. Vous allez voir si c'est souvent la richesse. You will see if it's about the riches. C'est plutôt le dernier point que je cite que ces frères et sœurs reçoivent, le point 10, c'est surtout la persécution. The last point, le dernier point, la persécution. Persecution. Repeat after me. On devient une cible du royaume des ténèbres. We become quand tu commences à opérer dans ce domaine, ça commence à s'agiter sérieusement chez toi. La persécution. Tu deviens une cible des puissances des ténèbres. Ça s'agite partout, dans tous les domaines de ta vie. In all the aspects of your life. Partout. Everywhere. Et on verra que cette persécution, elle va arriver dans la vie de Daniel et ses amis and we're gonna see this persecution par la suite. In the life of Daniel. Juste en conclusion, est-ce qu'on peut se lever? Je vais, can we just stand on our feet? Je vais juste faire une courte prière parce qu'aujourd'hui, il faut respecter les consignes de notre sœur Catherine. We must respect et partir dans les temps, n'est-ce pas? On n'a pas envie d'être coincé ici. Juste en conclusion, donc je vais simplement te dire, mon frère, ma sœur, my brother, my sister, exerce tes dons. Exercise your gift. Mais but, fais-le en pratiquant la présence de Dieu. Do it by practicing the presence of God. Pas rechercher de temps en temps. Not looking for a few moments. Pratique la présence de Dieu. Ce n'est que pratique-la la présence de Dieu. Practicing the presence of God. Pratique. Il y a des chercheurs d'or. Sois un chercheur de Dieu. Look and seek for God's presence. Sois un chercheur de Dieu. Seek for God's presence. Ma sœur, tu cherches Dieu, mais Dieu veut que tu ailles encore plus loin. My et tu vas voir. You are seeking God, but God va encore wants plus you to loin, go. Te dit Dieu. Tu n'es pas loin de ce que tu as demandé. You are not too far away from what you ask. En pratiquant la présence de Dieu. By practicing the presence of God. Et en marchant dans l'amour. And walking in love. Qui est la voie par excellence. Which is the way by excellence. Celle qui était et que Paul a cité dans 1 Corinthiens 12, 31 que j'ai lu au début. The one who was in 1 Corinthiens 12, 31. Souvenez-vous, Paul a dit, recherchez les dons, aspirez même. Il a dit même, aspirez ardemment aux dons. Et il a dit, je vais vous montrer une voie par excellence. I will show you a way by excellence. Et comme par hasard après, l'amour. And after, we speak about love. Donc exerce ton don exercise en pratiquant la présence de Dieu. By practicing the presence et en of marchant God. Dans l'amour. And walking in love. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains, fermer nos yeux? Can we just lift our hands and close our eyes? Frères et sœurs, c'est possible. Brothers and sisters, it's possible. C'est possible de marcher dans cette dimension. It's possible to walk in this dimension. Et à l'heure dans laquelle les temps que nous vivons maintenant, that we are living actually, la différence va se faire entre ceux qui vont décider de briller dans les ténèbres. The difference will be between those who want to shine et in the darkness et ceux dont la lumière sera éteinte par les ténèbres. Who got the line shut off in the darkness. Moïse, c'est le moment. Moses, et ceux dont la lumière sera éteinte par les ténèbres. And when those who are the light décide de briller dans les ténèbres. Shut down in the darkness. Decide to shine in the darkness. Décide d'aller vers les perdus.
Decide to go to the lost people. Décide de pratiquer la présence de Dieu. Decide to practice the presence of God. Décide de marcher dans l'amour. Decide to walk in love. Oh, frères et sœurs, dans le temps que nous sisters, le temps que nous vivons. In the time that we are living. Comme Samuel a dit tout à l'heure. Just like Samuel said. Tu n'as plus le temps d'avoir l'amertume dans ton cœur. You don't have any more tu n'as plus time le temps d'avoir l'animosité. In your heart. Tu n'as plus le temps de manquer de pardon. To have unforgiveness in your heart. Par pitié. Par les miséricordes de Dieu, libère-toi de cela. Libère-toi de tout ce qui peut enchaîner ton cœur. Libère-toi de toutes les personnes qui peuvent être captives dans ton cœur. Tu n'as plus le temps, les temps sont troublés, les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, les temps sont chauds. Il est temps de briller. It's time to shine. Il est temps de libérer la grâce qui est dans It's ta vie. Time to release the grace upon your life. Cherche Dieu. Seek the face of God. Connecte-toi à des personnes qui peuvent t'emmener là où tu ne peux pas aller seul. To those people who will make you move forward. Trouve les bonnes connexions. Found the right connection. Trouve les partenaires de prière. The right partners in prayer. Avec lesquels, comme Daniel et ses amis, tu vas triompher des défis qui vont être devant toi. Those with whom you will found a connection to pray. Est-ce que tu peux lever tes mains? Béni sois-tu, Père. Bless are you, Lord. Béni sois-tu, Jésus. Bless are you, Jesus. Seigneur, je prie pour que ta parole soit accompagnée par un dépôt dans les cœurs. Lord, I pray that your word will have a deposit inside the heart. Car Seigneur, je sais que tu veux faire un dépôt dans les cœurs. Because I know you want to make a deposit inside the heart. Pour ajouter quelque chose à la foi de tes enfants. To add something more to the faith of your children. Pour qu'ils puissent bâtir sur la base de ce dépôt. That they can build on the base of this deposit. Et voir vraiment le fruit dans leur vie. And see the fruit in their life. Pour entrer dans cette nouvelle dimension. And enter in this new dimension. C'est le temps de passer dans la nouvelle dimension. It's the time to enter in the new de libérer dimension. Les captifs. And release the captives. De renvoyer les opprimés dans la liberté. And set people in the freedom. De briser les chaînes. Break the chains. D'ouvrir les yeux des aveugles. Open the eyes of the blind. D'aller sauver les perdus. Save the lost souls. De manifester la gloire et la puissance de and Dieu. Manifest the glory de manifester and the power l'onction of God. De Dieu. Manifest the anointing of God. Reçois la grâce de Dieu ce matin Receive pour marcher là-dedans. Reçois cette grâce dans le Receive nom de Jésus. Reçois cette grâce dans Receive le nom de Jésus maintenant même par la puissance du nom de Jésus. Je libère Jesus. Sur ta vie ce matin morning, le fruit de cette parole, word, le fruit de cette prédication, afin que tu ne repartes pas comme tu es venu, mais que quelque chose maintenant rentre dans ton esprit pour que tu puisses construire ce que Dieu a prévu pour ta vie et que tu fasses la différence en manifestant le don de Dieu afin de discerner tes partenaires de prière, de discerner ceux avec qui tu dois marcher, afin que tu aies la sagesse pour gérer ton temps, pour chercher Dieu, et le cœur qui aime en tout temps et qui pardonne. Recevez cela dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Be blessed. Au nom de Jésus. In the mighty Amen. Name of Jesus. Amen. Et Amen.